Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine dans ce froid, ici dans le nord, nous c'est tout blanc, tout blanc. Aujourd'hui, on va faire un tuto. Alors, j'avais prévu de faire un tuto cuir sur une figurine que j'avais peint il y a déjà bien longtemps, que j'ai jamais terminée. Une figurine qu'on m'avait donnée et je ne l'ai jamais terminée, je ne sais pas pourquoi. Peut-être manque d'inspiration, je ne savais pas. C'est vraiment une figurine que j'avais laissée en plan. Du coup, je me suis dit, comme j'ai une petite cape bien sympa, là, on va se faire un petit cuir dessus. Comme je devais refaire une recette de cuir, eh ben, ça tombera bien pour un cuir aujourd'hui. On n'est jamais avare de recettes de cuir. Moi-même, j'aime cette matière. J'aime la travailler de plusieurs façons différentes. Notamment, en plus, les cuirs foncés que les cuirs clairs. Mais bon, malgré tout, tous les cuirs ne se travaillent pas de la même façon, mais c'est toujours un plaisir parce que les cuirs, on peut faire ce qu'on veut quelque part. On peut s'amuser, on fait beaucoup de, on peut texturer, on peut salir, on peut vieillir. Alors voilà, on peut faire beaucoup de choses sur un cuir. Et ce qu'on va faire aujourd'hui, on va utiliser du brossage, des techniques de la vie, des éclaircies classiques, etc., etc. Et peut-être des glacis, on verra bien, et des petites nuances qu'on va mettre dans le cuir. Voilà. Là-dessus, on va comment? Ah oui, n'oublie alors. Je vais avant de commencer la vidéo, je remercie les tipeurs qui ont participé, qui participent à Job Miniature. Ça fait plaisir, c'est vraiment sympa. J'ai des bons retours commentaires, je suis très très content, pourvu que ça dure. D'ailleurs, pour le Tipeee, je mettrai un, si vous voulez soutenir Job Miniature, je mettrai un lien dans la description sous la vidéo, ainsi que le lien Discord. Voilà, comme ça c'est fait, c'est dit, je reviendrai plus là-dessus. Allez, on va commencer. On va commencer sur cette figurine. Alors c'est une figurine de chez une figurine Warhammer. Et si je me rappelle bien, je crois que c'est une figurine du jeu Warcry. Mais je suis pas sûr. Si vous avez des, si vous savez, dites-moi. Mais je crois que c'est une figurine de chez Warcry. Là-dessus, alors la bande, par contre, je ne sais absolument plus ce que c'est comme figurine. Mais bon. Là-dessus, nous, ce qu'on va faire, on va commencer à faire le cuir. Alors, faut savoir que j'avais basé le cuir. Alors, pour prendre du temps, j'ai déjà basé. Alors, j'ai utilisé du Ténébrousse Grey de chez AK. C'est un gris, un marron gris très foncé. C'est pas obligé de mettre cette teinte-là. Je suis parti sur une couleur très foncée, étant donné qu'on va éclaircir. J'ai pris ça. J'aurais très bien pu prendre une autre teinte, genre, on aurait pu prendre du Rhinox Hide avec une pointe de noir, voilà, ou du gris noir. J'aurais même pu prendre du gris noir pour partir sur un cuir. Mais bon, j'ai pris ça, un Ténébrousse Grey, juste pour voir. J'avais la bouteille. Autant essayer. Allez, on va y aller. On va commencer. Alors, on va faire un premier éclairci avec cette couleur. Alors, c'est du Letter Brown. Alors, là-dessus, je vais revenir 2 minutes. Vous voyez, ça, alors, il y a un peu de différence quand même entre les deux teintes, d'accord? Mais par contre, il faut savoir que si vous prenez du Letter Brown AK et que vous prenez du Letter Brown de chez Prince Auguste, par exemple, voilà ce que vous avez. On a du Letter Brown ici, et du Leather Brown de chez AK. Vous avez vu la différence? On n'est pas du tout dans la même teinte. Alors, faut savoir aussi que c'est pas la même marque, ok? Mais bon, des fois, quand je dis, je préfère préciser, quand je dis que vous n'avez pas un Leather Brown dans la couleur AK, ou dans la couleur Valiro, j'ai allé voir dans une autre marque. Mais voilà le gros problème. Alors, évidemment, faut que ça se rapproche si vous voulez faire la même chose. Le mieux, à la limite, c'est de prendre, c'est pas acheter le pot, hein, n'achetez surtout pas le pot, parce que j'ai fait un tuto. Non, le mieux, en fait, c'est de partir directement sur la couleur qui vous plaît, sur un schéma de couleur. Le but, c'est le principal du tuto, c'est le principe, c'est de faire comment on traite les cuirs, tout simplement. Là-dessus, donc on va prendre du Leather Brown que j'ai pris ici, de chez AK, qui se trouve ici, que j'ai mis dans la palette. Alors, j'ai pas utilisé ma palette humide, elle a servi toute la semaine, je l'ai rangée, je l'ai nettoyée, j'ai passé un petit coup dessus, donc là, j'ai repris ma palette sèche, de toute façon, pour faire ce qu'on va faire, ce sera largement suffisant. Alors, j'ai mis ici, dilué, mon Leather Brown, ici. J'ai pris un taille 1 comme pinceau. Alors là, en l'occurrence, moi, c'est un Artist Opus taille 1. Alors ça, c'est cadeau des fêtes. Ouais, on m'a offert, j'ai eu la chance qu'on m'ait offert toute la série. J'ai trouvé ça sympa. Ça me permettra d'essayer comment d'autres marques en dehors du Windsor, que je suis très habitué avec le Windsor, que je ne changerai pour rien. Mais bon, ça me permet d'essayer d'autres marques. Et franchement, je suis pas déçu. Allez, on va commencer. Alors, ce qu'on va faire sur la cape, on va y aller tout bête. On va faire des éclaircies à l'arrache. On s'en fout parce qu'après on va faire du brossage à sec et ça va gommer, on va faire des belles transitions. Donc ce qu'on va faire, on va imaginer que la couleur elle vient du dessus comme ça. Donc on va imaginer ce qui prend le plus la lumière. On va dire ici, toute cette zone-là, un peu. Alors ici, cette zone-là, on va prendre ici un peu là dans le creux et ici légèrement. Voilà. Voilà ce qui va ressortir grosso modo. D'accord? Voilà les zones que je vais à peu près travailler.
ou peut-être même réduire, j'en sais rien. On verra au fur et à mesure qu'on avance. Alors, on va y aller. Alors, hop, on y va. Alors, c'est grossier, on s'en fout. L'important, c'est d'éclaircir, de mettre la peinture qu'on veut en dehors de la teinte qui est mise en base. D'accord? Alors, le petit pleat ici, là, on le travaillera plus tard, c'est pas grave. Vous voyez? Donc, je vais reprendre ici. Voilà. Alors, je fais des traits, je pars du haut, je descends. Vous voyez? De toute façon, il ne faut pas s'inquiéter. On va assombrir, éclaircir. On va s'amuser là-dessus. Alors, j'ai voulu prendre ça parce que je trouve que c'est un bon exercice. Il y a des plis, il y a des creux, il y a tout ce qu'il faut, vous voyez? Il y a de quoi s'amuser. Même quand on n'est pas un peintre de haut niveau, de haute voltige, comme je dis, on peut quand même s'amuser sur ce genre de choses. Il y a de quoi faire. Vous voyez? Il y a du relief, il y a des creux, la texture, ça manque un petit peu de texture par contre. D'ailleurs, la texture, on va la créer nous-mêmes, hein, on va faire des petits zigouigouis un peu partout. On va faire des petits S, des petits traits, tout ce que vous voulez, quoi. Voilà. Alors, même quand il n'y a pas de comment dire, même quand la lumière ne vient pas taper là, moi ça m'arrive quand même, malgré tout, de faire quelques traits. Des traits d'usure. Alors, ça va servir pour après. Alors, c'est pas grave si vous. On peut en faire. Vous voyez? On s'en fout de toute façon. Voilà. Voilà. Je vais reprendre un petit peu. Alors, quand je m'en vais sur le côté, c'est quand je dégorge mon pinceau. Hein. Quand je vois que j'en ai trop sur le pinceau, je le dégorge. Voilà. Vous voyez? Voilà. Alors là, par exemple, ici, c'est flagrant, la démarcation est flagrante, mais bon, on s'en fout, c'est un cuir. Alors, par contre, ce qui est bien aussi, c'est comme on l'a fait dans ce sens-là, on va le faire aussi dans l'autre sens. On va faire des traits dans l'autre sens. On va commencer à faire des petits traits dans le sens de parallèle, en fait, des traits parallèles au sol. Vous voyez? Voilà, on va commencer à faire des petites textures comme ça. C'est pas grand-chose, mais voilà, on va donner des petits coups de pinceau. Vous voyez, des fois c'est suffisant, ça donne des petites marques. Moi j'aime bien faire ça, surtout sur un cuir, on peut s'amuser sur un cuir. C'est ce que j'adore, moi j'adore traiter les cuirs. C'est vraiment une matière que j'aime sur la figurine. D'ailleurs, sur cette figurine, j'étais parti sur une figurine quasiment qu'avec des marrons, des cuirs différents. Ici, c'est indifférent. Il y a même que de là, mais c'est un peu plus éclairci, ça l'y vieillit. Celui-là est différent. Ici, je vais donner un aspect de la cape arrière un peu différent. Voilà, on va s'amuser. Vous allez voir. On va s'amuser légèrement. Alors, ici, on dit on va s'amuser, c'est que. Bon, je sais bien que par moment, c'est pas un jeu. Mais bon. Voilà. Voilà. Alors, vous voyez ce que j'ai fait? J'ai fait un passage, et je vais refaire un deuxième. Je vais attendre que ça sèche, je le fais hors cam, et on se retrouve juste après. Alors voilà, maintenant que j'ai fait deux couches, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va faire un glacis de Ténébreuse Grey, donc la couleur qui avait servi de base, et on va faire un glacis général. Alors j'ai préparé mon glacis, il est ici, sur la palette, voilà. Une goutte de peinture pour 6 gouttes d'eau à peu près. Alors on pouvait le faire au médium, moi je l'ai fait avec l'eau. Je remplis le réservoir du pinceau, je le dégorge sur le côté, et là ce qu'on va venir faire, je vais venir commencer à lier. Voilà, on va commencer à faire un petit. On va lier les teintes. Vous voyez? Voilà, comme ça. On va gommer un petit peu on va garder nos ombres. On va garder, vu que c'est un glacis, c'est un filtre en fait. On va lier, on va commencer à flouter en fait, tout doucement, les deux teintes. Vous voyez? Alors c'est léger, mais ça sera suffisant, on va dire, pour faire la liaison. Alors je vais peut-être pas en mettre partout. Oubliez le creux ici, voilà. Je vais rincer mon pinceau, et je vais pousser. Vous voyez? Voilà, comme ça. Voyez, on commence déjà à voir le flou ici. Alors moi je vais le faire deux fois. Je vais attendre que ça sèche, on va le refaire une deuxième fois. Bien sûr, je vais le faire hors cam. C'est exactement la même, c'est la répétition que ce que je vais faire maintenant. Tout ça après pour passer une gamme au-dessus, on va éclaircir les bords beaucoup plus fort. Et cette fois-ci, on va utiliser le brossage à sec. Allez, on se retrouve, je vais faire un deuxième glacis. Alors, il faut savoir que cette étape-là, bon, moi, c'est pas une figurine qui va aller dans une. Enfin, c'est pas une figurine qui va faire du concours. Il faut savoir que quand vous faites cette étape-là, vous pouvez le faire une fois.
de recommencer une deuxième fois, une troisième fois, plus vous allez passer de temps dessus et plus votre cape elle va être jolie, quoi. Encore une fois, c'est le temps que vous allez passer dessus qui fait que le résultat va être là ou pas. Voilà. Bon là, en l'occurrence, on fait ça vite pour le tuto, mais par principe, je vous fais voir comment je procède. Allez, là-dessus, je fais pause, je reviens juste après une fois sec, je repasse une deuxième passage, on se retrouve juste après. Alors voilà, maintenant que c'est bien fait, bien sec et unifié, vous avez vu, on voit bien l'éclairci, mais on voit que c'est bien fondu. Alors faut savoir il y a deux passages de, il y a une base, un éclairci, et après c'est deux glacis que j'ai passé de la couleur de base pour unifier les deux teintes. Maintenant ce qu'on va faire, on va prendre la couleur qui nous a servi à éclaircir, c'est-à-dire le Later Brown, celui-ci, voilà. Et je vais y ajouter une goutte de Deep Brown, un marron clair, tout simplement, un marron classique. Alors j'ai fait ça ici, là. J'ai fait le mélange, une pour une. On va prendre sa petite brossette. Voilà. Moi, je prends un carton. Je n'ai pas trouvé mieux, hein, comme je dis toujours. Et là, ce qu'on va faire, on va commencer à prendre les reliefs du brossage à sec. Alors, on dépose la peinture, hein. Alors, on y va. On va prendre les reliefs. Alors, même si on voudrait, on pourrait même tapoter. On pourrait tapoter comme ça. Vous voyez? Plusieurs façons de faire. Moi, personnellement, je préfère faire des cercles. Comme je dis toujours dans le brossage à sec, je fais des cercles. Voilà. La boucle est bouclée, c'est qu'à de le dire. Vous voyez? Et là, on va commencer à prendre tous les bosses, tout ce qui nous intéresse. Vous voyez? Alors, j'ai pris une petite brosse pour faire ça. J'appuie pas, hein. J'appuie absolument pas. Je caresse la pièce, hein. Vraiment. Vous voyez? Voilà. Je viens déposer la peinture dessus. Tout simplement. Ça va donner déjà un effet poussiéreux. Pas dégueulasse quand on fait du cuir. D'ailleurs, c'est ce qu'on recherche, l'effet poussiéreux, pour donner de la texture. Là, je vais recommencer mon mélange, que j'en ai plus beaucoup. Je vais reprendre une goutte, ici une petite goutte. Voilà. Je reprends ma brossette. Hop. Je l'imbibe bien, j'essuie le surplus. Voilà. Et je vais venir tapoter. Et là, je vais insister sur le bas. Le bas de la cape. Ici, voilà. On va tapoter ici aussi. Ça va donner un peu de texture. Voilà. Et on continue. On fait des petits brossages, des petits lissages. Vous voyez? Voilà. Alors ça, moi, je vais le faire plusieurs fois. Je vais peut-être le faire 3, 4, 5 fois. Et on se retrouve juste après. Alors voilà. Maintenant que c'est fait. Ce qu'on va faire maintenant, on va passer un brossage à sec uniquement avec le Deep Brown tout seul, que j'ai mis ici, sur la palette. Et on va y aller. Même procédé, on va venir tapoter sur le bas de la cape, comme ça. Voilà. On va réduire un peu la surface, bien sûr. Et on y va. On va brosser très léger, encore plus léger que tout à l'heure. Là, je viens déposer vraiment. C'est une infime quantité de peinture, quoi. Mais voilà, c'est la répétition qui va faire que bah, l'effet va être là, quoi. Là, je remets un peu de peinture et je recommence. Vous voyez, voilà. On commence déjà à bien vieillir la cape. Après, on va passer sur un éclairci extrême, mais on va revenir avec des encres. Vous allez voir. Voilà. Vous voyez? Voilà, je fais ça hors cam et on se retrouve juste après. Voilà. Alors maintenant, je vais prendre la couleur que j'ai pris, le Deep Brown, et je vais y mettre cette teinte-là. C'est du marron clair, du light, enfin du terre clair. C'est un peu la couleur de ossement. Si vous avez de l'ossement, ça fera très bien l'affaire. Que j'ai fait ici, j'ai fait un petit mélange. Voilà. Et là, pareil, comme tout à l'heure, on va faire le bas. Là, ça va être un peu plus violent, mais c'est pas grave. Vous voyez? Et là, on va y aller un petit peu plus par parcimonie. Un peu partout, même dans les ombres. On va même y aller dans les ombres. Sur les bas, bien sûr. Voilà, on va venir taper comme ça. Ce qu'on veut, c'est de la texture. Hein. Encore une fois, voilà. Et ça, je préfère le faire à la brossette. Et après, on va utiliser la mousse de blister. Mais ça, on fera après. Ce qui m'intéresse déjà, là, c'est y aller comme ça, tout doucement. Voilà, vous voyez? Vous voyez un peu ce qu'on peut obtenir sur une cape. Voilà. Là, ce qu'on va faire, on va attendre que ça sèche un peu, parce que malgré que c'est du brossage à sec,
Ça sèche pas tout de suite. Faut toujours attendre un petit peu. Surtout qu'après, on va passer des jus. Là, on va encore faire un éclairci ultime. Donc, cette fois-ci, je vais utiliser cette teinte-là, toute seule. Tout seul. Donc, je nettoie pas le pinceau. Je prends directement dedans. Voilà. Je mets au mieux sur le carton. Voilà. Je reprends un peu. Voilà. Et là, je vais faire pareil. J'y vais tout doucement. On va commencer à donner un peu plus de vieillissement. Vous voyez? On reviendra au pinceau après. Bien sûr. Mais je vous dis honnêtement, pour faire du cuir, moi pour moi, le cuir, un cuir texturé, il n'y a rien de mieux qu'un brossage à sec. On peut le faire, hein, on peut faire avec des tas de trucs. Hein, on peut faire avec, vous savez, quand vous prenez votre pinceau, puis vous envoyez de la. Ben, on peut le faire aussi. Mais ça et de la mousse de blister, c'est vraiment le top pour faire du cuir texturé. Moi, perso, c'est ce que je préfère. C'est une question de goût. Hein. Après, il y en a qui préfèrent autrement. Ouais, c'est au petit bonheur. Voilà, c'est à qui ça plaît. Hein. Cas de le dire. Voilà. Je vais remettre encore un petit peu. Voilà. Et on va venir taper encore comme ça sur le bas. On reviendra après avec cet éclairci. Voilà, vous voyez? Voilà, là j'aime beaucoup le rendu qu'on a obtenu. Vous voyez? Voilà. Là, ce qu'on va faire, on va attendre que ça sèche et ensuite on va passer à un jus. On va rehausser ça, mais d'abord on va réassombrir les ombres. On va y ajouter une goutte de bleu. Vous allez voir, je vous dis ça, on fait ça juste après. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, on va accentuer les ombres. Alors, je vais y ajouter une petite nuance dans le marron, une nuance qui va donner plus de profondeur, un peu de froid. On va donner un peu parce que cette figurine, elle a quand même été traitée avec des marrons assez chauds un peu partout. On va y ajouter une petite touche de bleu foncé. Alors, si vous n'avez pas, moi, j'utilise le gris de Paint. Je vous ai déjà dit dans le précédent tuto, c'est une couleur que j'utilise énormément. Alors, j'utilise sur plusieurs formes, aussi bien sous forme acrylique que sous forme énamel, c'est-à-dire à l'huile, forme à l'huile. Comme ici par exemple, c'est pas du tout la même. Nous on va le faire aujourd'hui à l'acrylique, mais au niveau de la teinte c'est exactement pareil. Vous allez voir. Alors là pour moi là je l'ai dilué à l'eau avec une goutte de médium. On va faire des glacis de bleu, mais qu'on va les placer vraiment dans les ombres les plus profondes. Bon, même si on va un petit peu sur les parties les plus saillantes, c'est pas grave. De toute façon, on va encore rehausser après. Alors, du gris de Paint, moi j'ai pris ça sous la gamme Abelung 502. Bon, c'est pas mal. C'est une belle teinte et franchement ça marche super bien. Et je vous conseille d'avoir une teinte. Et si vous n'avez pas cette teinte-là, eh bien, vous pouvez utiliser le Dark Sea Blue si vous en avez. Je l'ai pas là sous les yeux. Si, là, voilà, du Dark Sea Blue de chez Model Color. C'est une très belle couleur et on s'y rapproche vraiment. D'ailleurs, si vous n'avez pas cette teinte, utilisez ça fera très bien l'affaire. Allez, ensuite, on va y aller. Alors, j'ai pris mon petit glacis ici. Alors, je gorge mon pinceau. Je le dégorge sur le côté. Et là, on va venir placer. Alors, c'est une couleur qui marque assez fort. Alors, faut y aller mollo. Et là, on va venir placer ça dans nos ombres. On va y ajouter un peu de nuance. Vous voyez? Voilà, du bleu. Voilà. Alors, les connaisseurs connaissent certainement cette façon de procéder. C'est pas. J'ai rien inventé. Hein. Moi, je regarde aussi des trucs pour m'aider. Je regarde des peintures de tableaux. Des gens qui dessinent, qui font des dessins. Ça m'aide énormément. Je vous conseille de regarder des fois, comme Bob, je sais plus son nom, Bob Ross, je crois. Je suis déjà tombé sur pas mal de choses qu'il fait, et franchement, j'aime beaucoup ce qu'il fait. C'est là où vous voyez les teintes qu'ils utilisent pour. Et comment dire, vous convertissez ça sur votre figurine, quoi. Et ça fonctionne très bien. Vous voyez le rendu que ça donne? Ça donne vraiment. Ça vient creuser la figurine. Vraiment, c'est vraiment. Ça donne une teinte supplémentaire. Alors, on pourrait en mettre partout. Donc, là, à la limite, ce que je pourrais faire, c'est dégorger à fond et peut-être teinter. Alors, on va peut-être teinter ici, là. Sous le pli, juste là. Voilà. Là, dans le creux, là-bas. Voilà. Vous voyez? Voilà, c'est discret. Faut y aller doucement. Voilà. Vous voyez? Voilà. Alors, on a perdu un petit peu en éclaircie, c'est pas grave. Et en teinte de départ.
Et après, on va passer une petite encre noisette sur les parties les plus saillantes. Pour ça, on va attendre que ça sèche et on se retrouve juste après. Alors voilà, on a eu le rendu. On est pas mal. On a une belle teinte. J'aime beaucoup la teinte que ça fait. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir rehausser les parties qu'on a bien brossées. Pour ça, je vais utiliser de l'encre noisette. Alors moi, je vais utiliser de l'encre intense. Alors je vais la super diluer. Je vais en faire un glacis. Je vais le faire devant vous. Vous allez voir. Alors, il faut mettre une légère goutte. Hein. C'est léger. Voilà, une petite goutte. Pas plus. Pas plus, pas plus. Là-dessus, moi, je vais mettre de l'eau. Alors, je vais mettre une goutte d'eau, deux, trois, quatre. Voilà. Et je vais mettre en même temps un petit liant, un médium. Voilà. Vaut mieux plus diluer que pas assez. Parce qu'un glacis, il faut que ça soit vraiment. Vous voyez la teinte que j'obtiens? Voilà. Vous voyez? Voilà. Là, j'ai de quoi faire un beau glacis. Et là, on va rehausser les teintes qu'on a perdues. Alors là, je vais prendre ma peinture, pareil, je dégorge mon pinceau sur le sopalin, ici, et là, bah, je vais venir teinter, reteinter ce qu'on a fait tout à l'heure. Si on mord dans les ombres, c'est pas grave. Vous voyez? Voilà, on recommence. Voilà. Vous voyez? On va rehausser ce qu'on a fait tout à l'heure. Voilà. Et ça va redonner encore de la richesse au cuir. Je vous dis, le cuir, plus vous allez passer de temps dessus, et plus il va être réussi. Il n'y a pas miracle, il n'y a pas de faute, il n'y a pas de. Comment dire? Plus vous passez du temps, c'est comme une figurine en fait. Plus vous passez du temps sur une figurine, plus elle sera jolie. Ça, c'est comme un lien fond deux. Voilà. Vous voyez, on a rehaussé, on a rattrapé un peu, on a mis un peu de chaud sur notre marron qu'on avait perdu tout à l'heure. Vous voyez? Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, on va attendre que ça sèche, on se retrouve juste après, et on va refaire des éclaircies. Allez, à de suite. Alors voilà, maintenant que c'est bien sec, vous avez vu, on a un beau rendu. Ce qu'on va faire maintenant, je vais reprendre des éclaircies avec la couleur qu'on avait fait tout à l'heure, celle-ci, le Light Earth. Alors, je l'ai mis ici, voilà, dans la palette. J'ai repris mon pinceau, mon taille 1, et là, on va recommencer à reprendre les arêtes. On va éclaircir un petit peu. Vous voyez? Les petits plis là, qu'il y a là, on va venir les reprendre. Ici, pareil. Voilà, vous voyez? Voilà. Donc là, on va reprendre le dessus. Voilà, comme ça. Voilà. Et on va venir reprendre les petites arêtes du bas. Alors ça, je préfère le faire au pinceau. J'arrive beaucoup mieux à doser. Vous voyez? Alors si on fait un petit bug, c'est pas grave. De toute façon, le cuir, il va encore être touché, être retouché après. On va passer un petit coup de blister dessus. Vous voyez? Et là, on va faire le contour. Voilà, vous voyez, comme ça. Voilà, là, je prends pour l'instant, je fais tous les contours. Voilà, je rehausse tout simplement. Et là, on va commencer à prendre. Ici, là, il y a une petite veine qui est juste là. Voilà. Et là, ce qu'on va faire, on va commencer à faire des petits traits, comme ça. Alors, petite astuce, vous prenez votre pinceau, comme ça, et vous l'aplatissez sur le sopalin. Vous faites un plat. Sans tordre les. Et là, ce que vous prenez façon plat, comme ça. Si je lâche le pinceau, ça ne va pas le faire. Et là, voilà, on vient poser comme ça. Et le fait qu'on a écrasé le pinceau, pas enfin écrasé, façon parler, on l'aplatit simplement. On va venir prendre, voilà, on va faire des petits traits comme ça, très légers. Alors, des fois, il ne faut pas avoir peur d'effacer avec le doigt. Et on va venir prendre comme ça, on va venir faire tous des petits traits. Vous voyez? Là, ici, j'ai oublié tout à l'heure le dessous, juste là. Il se trouve juste là. Tout petit.
Hop. On va faire des traits en travers. Hop. Hop. Voilà. Vous voyez. Voilà. On vient user le cuir. On s'amuse. Celui-là, je l'ai fait un peu trop fort, mais c'est pas grave. On va l'effacer un peu. Je remettrai un peu d'encre. Je le gommerai après. C'est pas grave. C'est pas un souci. Voilà. Donc on s'amuse comme ça. On reprend des petits traits, des petits par-ci par-là. Vous voyez? On les fait un peu dans les sens parallèles, un peu croisés, décroisés. Faites des petits points. Voilà. Alors, faut pas en faire de trop non plus. Le blister va bien aider pour ça après. Vous allez voir. Là, on est déjà bien hein, sur le cuir. Hein. Là, on est déjà pas mal. Mais encore une fois, hein, moi, je vais continuer derrière. Là, je vous ai fait voir exactement comment faire. Quelques petites astuces, tout ça, pour avoir un rendu assez classe. Après, derrière, vous pouvez continuer. Voilà, vous faites des petits, vous refaites des couches plusieurs fois, vous faites plusieurs fois la même étape, et vous allez voir un cuir différent. Hein. Là, moi, j'avais pas trop envie de me casser la tête sur cette figurine, mais bon, au résultat des courses, il y a un cuir qui tient la route quand même. On a quelque chose. Allez, ce qu'on va faire maintenant, on va prendre un petit bout de blister. Alors, je vais prendre ça tout de suite. Alors, le petit bout de blister, hop, j'en ai un là. Prendre un petit morceau. Voilà. Un petit morceau qui convient bien. Voilà. Je vais prendre ma peinture. Alors cette fois-ci, je ne vais pas prendre la peinture diluée, je vais prendre la peinture non diluée. Donc je vais la mettre sur le côté, là, sur la petite palette que j'ai en carton. Je vais prendre mon petit morceau de blister. Voilà, ici, hop. J'efface dessus le plus gros. Pas en mettre de trop. Voilà. Et là, ce qu'on va venir faire, on va venir tapoter, mais que sur le bas. Voilà, là on va rajouter de la texture encore au cuir. Mais différente. Vous voyez? Alors on va y aller mollo, parce que ça a tendance à marquer assez fort. Voyez? Voilà. Voilà. Alors, on a vraiment usé le cuir. Là, on a fait un cuir super usé. Vous voyez? Je voulais même en remettre un peu ici parce que je ne l'avais pas fait. Et vous allez voir, on va refaire encore un jus de bleu. Pour réassombrir encore la cape. Et un dernier petit rayon. Et on aura obtenu un beau petit cuir, bien sympa. Largement suffisant pour ce genre de figurine. Après, si vous voulez plus loin, bah, vous faites plusieurs fois la, vous faites plusieurs fois l'opération, vous allez obtenir quelque chose de différent. Là, on va refaire un petit glacis de bleu. Alors, je vais reprendre ma petite peinture. Je vais prendre une petite pointe. Pas la peine de prendre beaucoup. Voilà. Un tube comme ça, vous allez faire, si vous l'utilisez pas souvent, il va faire votre vie, hein, je vous le dis. On va mettre un peu d'eau, un peu de diluant, hop, voilà, voilà qui est fait. Là, j'obtiens, j'ai quelque chose de très bien. Je vais y ajouter une petite goutte de médium. Voilà, et voilà. Voilà, vous avez vu? Voilà, impeccable. Et là, ce qu'on va faire, comme tout à l'heure, je reprends la figurine. Je gorge mon pinceau, je le dégorge sur le côté. Il est encore chargé, mon pinceau. Regardez. Voilà. Vous voyez, ça se voit pas des masses, mais j'en ai encore sur les doigts. Vous voyez? Allez, on recommence. Et là, on va refaire encore les ombres. On va recreuser encore les ombres. Voilà. Je refais l'intégralité. Principalement, voilà, des ombres. Voilà, vous voyez? Et tout ça, c'est sous forme de glacis. Hein. Surtout,
Et encore ici aussi, en dessous là. Hop. Voilà. Voilà. Vous voyez? Voilà. On attend que ça sèche, on fait un dernier réo et on est bon pour le cuire. À de suite. Alors voilà, maintenant que c'est fait, maintenant ce qu'on va faire, on va faire un dernier éclairci ultime. Et bien, cette fois-ci, on va le faire avec du blister. Et là, je vais prendre de l'ossement de chez Valero Game Color, une peinture que j'utilise très souvent si vous suivez mes tutos. Alors je vais faire comme tout à l'heure, j'y vais doucement. Et là, ce qu'on va venir prendre, on va venir faire vraiment un tout petit des petits tapotages comme ça. Alors faut y aller mollo parce que la peinture, elle couvre bien. Hein. Celle de chez Valero, elle couvre très bien. Voilà, on va y aller tout doucement. Voilà. Voilà. Vous voyez? Des petits éclaircies comme ça. Voilà. Et là, je vais essayer de le pincer un peu plus pour aller plus dans le creux là. Voilà. 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 On a une belle recette de cuir bien texturée. La limite qu'on peut faire, c'est prendre un peu la peinture ossement et on peut venir rehausser des petits points stratégiques, on va dire. Voilà. Pas plus, que sinon après ça ferait trop. Il faut savoir que en temps normal, si je l'aurais encore poussé, eh ben, j'aurais encore recommencé ce que j'ai fait. J'aurais à recreuser avec des ombres, le bleu, j'aurais, etc., etc. Tout le travail, je l'aurais fait plusieurs fois. 5, 10, 15 fois. Voilà. Et j'aurais obtenu un truc encore différent. Voilà. Là, quand je tourne le tuto, c'est quasiment en temps réel. Je laisse entre deux quand je mets pause. C'est ma façon de faire. Je fais pas de montage sur mes tutos. Donc, ça sèche en temps réel et je reprends dans la foulée. Vous voyez? Donc voilà. 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 Allez, on va s'arrêter là. Pas la peine d'aller plus loin. J'espère que vous avez aimé ce tuto. Alors, c'était sur un cuir. Je vais dire encore un cuir, mais j'en aurai trois sur la chaîne. Et il y en aura encore un autre par la suite, mais pas tout de suite. Ce sera sur une figurine pareille que j'ai toujours pas terminée. On fera un cuir, voilà, on partira sur autre chose. Ce sera un cuir, sur un cuir cobra. Ça sera différent, mais ce sera pas le prochain. Le prochain tuto, normalement, ça devrait être l'armure d'émeraude que je vous avais dit. Ou alors, peut-être, je referai une peau verte. On m'a demandé à plusieurs reprises une peau d'orque. Alors, bon. Moi, les peaux d'orque, il y a plusieurs recettes. Hein. Je ne vais pas rentrer dans les détails maintenant. Je pourrais proposer quelques recettes. Mais bon, pour l'instant, j'ai d'autres tutos en tête. J'ai encore le jaune à faire. Ah, il y a beaucoup de choses qui vont arriver. Voilà. Bon, j'espère que ce tuto vous aura plu. Aujourd'hui, on a fait du brossage, des glacis, des lavis, on va dire. Du brossage, on a fait du weathering, de l'usure, on a fait tout, quoi. Sur une belle petite cape. J'espère que vous avez aimé. Voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, enfin ce tuto, partagez, likez, commentez, c'est important. C'est important, c'est important. Je remercie les nouveaux abonnés aussi qui arrivent en nombre, je dois le dire. Et puis ben moi je vous dis à la prochaine, certainement la semaine prochaine, pour un autre tuto. Portez-vous bien, de bonnes peintures, et puis gardez une bonne semaine à vous. À ciao. Ciao, ciao.